Oui, salut à tous, Conneuf mes gringos, mes gringas. Yo les amis, ça fait longtemps que j'ai pas lâché de vidéo, mais voilà, vous le savez tous les gars. Aujourd'hui on est là parce que Rof il a sorti un morceau de combien de minutes, frérot? 14 minutes, hein? Ok les gars, donc on est ensemble les gars. C'est Fitna les gars, donc on va écouter ça ensemble. Et voilà, vous me connaissez les gars, vous me connaissez. Vous connaissez votre gars, aka le Comorien, aka Abou, tout ce que vous voulez, hein? Voilà, on est ensemble les gars. Peace and love et les gars. Franchement les gars, hey, respectez les gars, respectez le chef-d'œuvre. On va écouter ça ensemble les gars. Vous avez le droit de vous donner, comment, de donner votre avis. Désolé, je bégaye, ça fait longtemps, j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais perdu ma chaîne YouTube. Mais Dieu merci, j'ai réussi à récupérer ma chaîne. Donc voilà les gars, sur ce, je vais pas vous tarder. Hein, on va écouter ça ensemble et allez, peace et one love les gars, on est ensemble, ok? Aïe aïe aïe, ok. Sorti du néant, je fais l'objet d'une métaphysique. Je dépasse l'entendement, mais d'accord, les agnostiques, les malades de la dounia. Triste diagnostic, fitna. Je récidive pour les amnésiques. Vrai, mon éthique transcende ma génétique. Un bonhomme s'évalue à la vigueur de ses principes. En tout cas, il enchaîne, gros. Ça commence bien, les gars. Ça commence bien. Ouais, toi qui me regardes, avant de t'installer, mon frérot. Avant de t'installer, mon gars, tu sais ce que tu dois faire. Vas-y, lâche ton gros pouce bleu, mon ref. On est ensemble. Si t'es pas abonné, mais abonne-toi, mon frérot. T'attends quoi, frère? C'est ici ça se passe, les gars. C'est ici, putain. Ah! Dans d'albums sincères, jusque dans ma chair, avec ou sans thune, les chayatines montent dans la peau, les vérités, les impôts. Sincère jusqu'à ma chair. Les gars, cette phrase-là, j'ai déjà entendu dans quel morceau? C'est quoi? C'est quoi dans... C'est dans quel morceau? Je sais, c'est dans la fierté des nôtres. Sincère jusqu'à ma... Bah c'est sincère en fait, le morceau sincère. Justement. Mais je suis en train de chercher, mais je suis bête en fait. Je suis en train de chercher, le titre c'est sincère. Porte plume, mais comme à la roulette, il m'en reste une. Les cœurs sont déserts, je surfe sur des dunes. Tout ce qui vous répugne, ange et démon se relayent comme soleil et lune. Cite-moi rappeur que je n'ai pas inspiré, j'ai... Ah les gars. Non, il est là, gros, il est là. Kicker comme un affamé sans respirer, ni perdre mes couilles sur le bitume. Passer la quarantaine, ma vie n'est plus aussi intense. Tant de choses auxquelles je n'attache plus d'importance. Le rap, c'est de l'eau, je suis la source d'une abondance. Hey, je t'avais dit quoi? Hey, Rof, cette année, il arrive, il va tout niquer, frérot. Avec son album Fitna. Rien que le morceau de 14 minutes, bro. 14 minutes, les gars. Non, vous n'êtes pas prêts. Eh oui, gros. Surveillez vos angles morts, les gars. Angle mort, angle mort. Non, gros, le morceau, il est lourd. Moi, je dis ça, je dis rien. T'as capté. En tout cas, au passage, mon frérot, t'es sur ma chaîne, mon ref. Vas-y, lâche un petit pouce bleu. Ça mange rien, frère. C'est gratuit. Et n'hésite pas à passer, à partager tout ce que tu veux, mon ref. De toute façon, c'est pas fini. J'avais perdu ma chaîne, j'ai retrouvé ma chaîne. Maintenant, ça va faire des vidéos. T'as capté? Vas-y, mon gars. Écoute ça, c'est du lourd. Eh oui, mon pote. Ah! J'y vais mollo, les philosophes y voient de l'insolence. Artiste comblé, je manque pas de reconnaissance. Le traitement de l'enfance a généré toutes ces violences. Les gars, c'est dommage. Vous savez pourquoi je dis c'est dommage? Parce que la nouvelle génération, les gars, ils aiment pas le rap. Ils aiment pas le vrai rap. Je dis pas que le rap d'aujourd'hui, c'est pas du rap, hein. Mais moi, je vous parle de rap conscient, les gars. C'est ça qui est dommage. Vous savez très bien, le boss, il est toujours là, hein. Il n'est pas fini. Il y en a qui vont dire qu'il est finito. Non, frère, c'est juste que voilà. On n'a pas les mêmes oreilles, gros. On n'écoute pas la même chose, gros. Eh oui. On n'est pas des mangeurs de McDonald's, nous. Nous, on mange le riz, on mange le maélé, frère. On mange le maélé, le mabawa, le madaba, tout ça. Les tièbes, tout ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on aime le vrai truc. Les gens qui écoutent le rap d'aujourd'hui, c'est les gens qui mangent le McDo. Non, je rigole, j'ai rien contre le McDo. Hein. Ah, ah, les gens, ils vont me faire. Non, c'est juste que les gars, en vrai de vrai, c'est par rapport à nos oreilles, c'est par rapport à la génération. Et ça, c'est du rap conscient, les gars. Donc, moi, je vous dis, le rap conscient. Aujourd'hui, le rap conscient, il est mort. Personne n'écoute le rap conscient. Les gens vont dire quoi? Oui, ils préfèrent la musique actuelle. Mais un bon son comme ça, là, gros, non.
y a rien à dire. Mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui va apprécier. C'est dommage. Là, les gens, ils vont dire, ouais, c'est l'AD, parce qu'ils connaissent pas Rof. C'est la nouvelle génération, ils connaissent pas. Tu vois, ça consomme à la va-vite, ils ont pas le temps de digérer, ils ont pas le temps d'apprécier le plat. Voilà, c'est comme ça. Donc maintenant, quand tu veux écouter du bon son, les gars, écoutez le son. Il faut l'écouter une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. C'est là où tu vas commencer à capter. Ça va cogiter dans ta tête. Tu vas commencer à comprendre. Ah ouais, tu vois, les sens. Parce qu'aujourd'hui, les sens du son, personne n'écoute. Maintenant, c'est la prod. Les gens, ils sont là, ils sont ambiancés par la prod. Ouais, ça va, ça va. Mais les paroles, ça veut rien dire. Ça pue la dé, mais c'est la prod pour eux, tu vois. Et moi, vas-y, moi, c'est du rap conscient. C'est du rap que j'aime. C'est le rap. C'est le retour du rap français, les gars. Vous avez capté ou pas, même s'il n'est jamais parti. Mais là, ça va faire zizir à nos oreilles, quoi. Eh oui. Eh, oublie pas t'abonner, mon frérot. Hein. Je te vois venir. Hein. J'rappe en toute transparence, comment cacher mes défauts. Pour l'honneur, j'ai dérapé jusqu'à hyper les infos. Ma vie, un combat, m'incliner. Ça faisait que 14 minutes, les gars. Il a des choses à dire, les gars. Il a des choses à dire, mais bordel. Oh putain, ah, je suis fier, je suis fier. Ah, là, j'ai hâte de l'album, les gars. Ça va se passer. Vous vous rappelez quand je sortais des vidéos dans ma voiture? Bah, je pense qu'on va refaire la même chose. On va prendre l'album, on va le faire truquer dans la voiture. À bout portant, je suis plus délin. Oh, les gars. Ah, je les vénère. Hein. Ah, là, il arrive, mais genre vraiment. Hein. Mal entouré, leurs fausses prières ont annulé mon auto. Mon son éclabousse la tête, je fais de l'art et déco. T'as jamais vu un pyromane mettre autant de fuego. Non, cri culmine tous les hectares, la cinquantaine dans un quinquennat. Aucune de mes narines ne connaît que. Oh, les gars, le changement, le flow, la technique, les gars, les métaphores, tout ce que vous voulez, les gars. Tout est servi, les gars. Ça semble réussi. Ça semble plein. C'est du Madaba avec du Nthiari, avec du Rugaï, avec du Poutou. Tout ce que vous voulez, les gars. Il y a tout dedans, les gars. En tout cas, il a mis son âme, il a mis tout, il a mis le cœur, les gars. Donc, en tout cas, les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. On est ensemble, les gars. Sur ce. Peace et one love, on est ensemble les gars.